Heureusement que je pars rentrer à Dubaï. Ma mère et ma femme, elle s'occupe de moi parce que je suis malade, je l'aime trop. Alors moi je rentre en forme. Et par contre j'ai vu là, oh, je peux plus, à chaque fois que j'ouvre ma bouche, après ça se retrouve en polémique. J'ai dit que ma mère elle m'a lavé ce matin, je suis malade. Et alors que ma mère elle me lave, moi aussi ma mère demain elle est malade, je vais la laver. C'est ma mère. Si elle s'occupe pas de moi, qui c'est qui va s'occuper de moi? Non mais fatigué, les gens. Pas vous hein, mais mes vies, mais les gens sur le net, ils me fatiguent. J'ai dit que tu m'as lavé. Et alors, c'est quoi le problème? Merci, pourquoi tu t'occupes de moi? Moi je m'occupe de toi. Ben, une mère, elle est là pour s'occuper Merci. de son enfant. Et bien les Et gens. là, c'est le jour où Ah, sa mère, elle la lave. Et alors? Non, je touche que plus. Tu peux pas me les voir, les gens, c'est pas possible. Je te jure, maman. Tu peux pas me fermer leur gueule. Je peux plus, moi aussi. Tout m'a fait mon genre de merde, là. Ma vie, ma femme. T'as fait quoi, ma vie? Je t'ai fait un steak pour ce que tu as dû faire. Les filles, c'est un bourbier. Il y en a de partout. Voilà, c'est vraiment le bordel. Voilà, regardez. Mes trousses. Là. 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 Les filles, ça y est, je viens à peine. Enfin, on vient. Il y a la prière qui me sonne. On vient à peine de finir les valises. Ça y est, je suis morte. Ça y est, mon mohamdoulah, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça y est, départ pour Dubaï.